Match des deux derniers de Dominus League 2. Orléans 19e reçoit le Paris FC 20e de formation à égalité de points. Si l'une des deux parvient à s'imposer, ça sera un énorme soulagement et des points importants pris par rapport à un concurrent direct. Orléans n'a réussi qu'à prendre 2 points sur les 4 dernières rencontres, alors que le PFC n'a pris qu'un point sur les 2 derniers matchs après ses 2 premières victoires de la saison. Mais un PFC qui, dès le début, marque un but. Le corner de Jérémy Ménez et la reprise de la tête impeccable d'Axel Bamba à la 2e minute. C'est la première action du match. Le Paris FC mène 1-0 sur le terrain d'Orléans. 2e but de la saison pour le défenseur ivoirien Axel Bamba. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe parisienne. Orléans essaye de réagir. Les Orléanais sont dangereux ici, mais la balle sur la barre transversale. Pas de réussite pour la formation de Didier Olenicole qui se retrouve mené à domicile à la pause. En seconde période, Orléans insiste avec cette nouvelle chance de la tête et le sauvetage sur la ligne. Bonne présence de Mario Jason Kikonda pour sauver le PFC. Un PFC qui évolue en contre avec Jérémy Ménez qui s'échappe. Le petit ballon piqué s'est sauvé par Thomas Renaud. La mise n'est pas doublée pour le PFC, il s'en est fallu de très peu. Orléans a donc encore une chance d'accrocher un point dans ce match avec cette nouvelle percée et le tir sur l'équerre du but gardé par Anthony Maisonial. Orléans n'y arrive pas, le PFC s'impose 1-0 sur le terrain d'Orléans.